tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat contre un abonné. Aujourd'hui je joue contre du Sway et voici ma nouvelle équipe. Vous la voyez, Brazegali, je pense que c'est le Pokémon le plus surprenant dans cette équipe. C'est Brazegali, un Pokémon vraiment formidable. Vraiment pas facile à jouer mais très 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 bon Pokémon. J'espère qu'on va le voir à l'œuvre dans ce combat. Et j'ai également la paire de Pokémon relou Noasimoya d'Histoire 2 parce que bon vous le savez, je joue de manière assez défensive en général, et encore une fois Megadratak est dans mon équipe. Megadratak, je me demande si Dratak c'est pas la méga que j'ai le plus joué, je me demande, parce que Mega Metalos au final je m'en suis servi que dans mes équipes compétitives au final, mais dans les équipes, dans les combats contre les abonnés, je crois que Megadratak c'est la méga qui est le plus ressorti pour moi. Kangourex j'ai dû vous le sortir que une ou deux fois, pas plus, je pense. À mon souvenir. Et Elector qu'on voit pas beaucoup, on voit plutôt Fulguris, mais dans cette team-là, Elector, je le trouvais plus intéressant. Alors, je sais pas trop à quoi réfléchir mon adversaire à ce moment-là de la partie, puisque ça n'a pas vraiment commencé. Mais bon, il faudrait peut-être appuyer sur le bouton lancer quand même à un moment. Et Nymphalis, 6ème Pokémon de la team. Nymphalis, c'est un Pokémon que je joue assez souvent, c'est un Pokémon que j'aime bien. Ça tape fort, ça tient bien les coups, c'est un peu lent, mais c'est un très bon Pokémon, des affinités de type qui sont toujours plutôt avantageuses. Contre Noacier. Noacier, c'est la première fois que je vous le sors, hein, ouais, ça j'en suis sûr. Moyade également. Noacier, excellent. Alors, Noacier, on se dit toujours, oui, c'est pas un Pokémon de duo, il est pas fait pour le duo, mais Noacier, c'est, mine de rien, c'est un Pokémon qui résiste à énormément de choses et qui peut rester sur le terrain pendant des milliards de tours. On va voir ce que ça donne contre l'équipe de Dusway qui nous sort un Fulguris, un Melodelf, un Kangourex, un Milobelus, un Trioxydre et un Exagite. Ça m'a l'air assez standard tout ça. Est-ce qu'il va pas essayer de faire point boost avec son Kangourex et d'attirer les attaques avec son Melodelf? Ça me paraît un petit peu l'idée de base dans cette team, mais j'en suis pas certain. Hein. Donc on va bien voir, peut-être clonage, évidemment, éventuellement, avec son Exagide, pourquoi pas, on va voir ça. Donc je vais envoyer, pour commencer, Noacier, Brazegali. Ah, le problème c'est que s'il envoie Trioxydre et Melodelf, c'est un peu le bordel. Quoique non, c'est pas très très grave. Je vais prendre Dratak, c'est ma méga, là j'ai toutes les raisons du monde de le prendre. Et est-ce que... Ouais, Elector il est très intéressant dans ce combat hein, quand même. Je me demande si je ferais pas mieux de le prendre d'entrée. Ah, c'est dur, en fait j'hésite entre... Quoique Nymphali est intéressant aussi dans le combat, vous allez me dire. Et oui, non, je vais faire plutôt ça. Je vais faire Brazegali, Nymphali, Dratak. En fait, Dratak, c'est limite le moins intéressant dans le combat. Je me demande si je ferais pas mieux de pas prendre Dratak. Je vais pas le prendre. Noacier et Elector. Je vais pas prendre Dratak parce que je trouve que dans ce combat, il est pas déterminant. Je pense que c'est un mouchoir choix sur le Trioxydre, sinon la team adverse m'a l'air extrêmement lente. S'il a pas de mouchoir choix sur le Trioxydre, c'est extrêmement lent alors. Ok, ça envoie Kangourex, Milobelus. Ce qui est une bonne chose pour moi, hein, clairement. Ok, donc je m'attends plutôt à un bluff sur Brazegali, parce qu'il doit avoir peur, je pense, de se prendre une attaque combat, et il a raison de ce point de vue-là. Par contre, Nymphali, je ne sais pas s'il va essayer de le viser. Ce que je vais faire, c'est que je vais switch pour Noacier. Et avec Nymphali... Ah, j'ai limite envie de switch aussi. Parce que s'il bluffe Nymphali, il prend le casque brut de mon Elector. Mais au final, Elector au tour suivant, est-ce qu'il est extrêmement intéressant? Pas vraiment. Non, donc non, je préfère faire... Ah, moi, je pense vraiment qu'il va bluffer Brazegali. Du coup, je vais y aller pour Mégaphone quand même. Parce qu'au pire, si je prends bluff, c'est pas dramatique. Et ça m'étonnerait qu'il y aille pour autre chose que bluff avec son Kangourex. Donc, dans tous les cas, ma conviction, c'est qu'il va faire bluff avec son Kangourex. En tout cas, il switch pas, puisqu'il méga évolue. Le bluff, il est pour... Aïe. Ah, c'est pas sur celui que je voulais. Flûte, ça sent l'ébullition.
Sur Novacie, alors pas de brûlure, s'il te plaît. Parce que commencer avec une brûlure, c'est pas le top. Ok, parfait. C'est parfait. Ok, un petit peu de reste pour permettre à Noacier de récupérer des PV. Qui au final n'aura pas perdu grand chose, si ce n'est rien du tout. Enfin, j'exagère un petit peu, mais. Mais il a vraiment pas pris grand chose. Ok, donc je vais y aller pour Vampigraine sur le Kangourex. Je sais pas s'il va oser faire. S'il va oser faire. Balayage, je suis pas certain. Mon avis va plutôt switch. Je vais faire abri avec mon Infali. Parce que là, sur un retour, même sur un retour, je tombe KO. Je sais pas s'il a retour ou Damoclès ce Kangourex. Mais là, j'ai tout intérêt à faire abri. Parce que je suis à sa merci. Je pense qu'il. Ah d'accord, je pensais qu'il allait switch son Milobelus. Parce qu'il a pas vraiment de moyen de dégager mon Noacier. What? Ça joue Uppercut! Oh, ça double focus mon Infali. Alors là. Tour totalement rentable pour moi. Ça joue Uppercut, ça veut jouer la confusion. Double chance de rendre confus l'adversaire. C'est un petit peu osé. Moi je trouve que c'est pas rentable du tout parce que ça tape tellement moins fort que ne serait-ce que retour. Et alors que Damoclès, j'en parle même pas. Uppercut, c'est combien? C'est 70 de puissance, je crois. Il me semble. Donc je trouve pas ça rentable du tout, hein, vraiment. Je vais y aller pour Vampigraine sur le Milobelus. Et je vais switch mon Infali pour mon Elector. Comme ça, s'il veut vraiment aller chercher mon Infali, et bah il va manger le casque brut. Là, il doit se dire, ok, il y a Noacier sur le terrain. Tant que je vise pas Noacier, je prends pas les épines de fer ou le casque brut. Quoique, de toute manière, il a bien vu les restes sur mon Noacier. Mais quand on voit un Noacier dans la team, on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un Elector avec le casque brut. Voyons voir. Ça retire Kangourex, d'accord. Dommage. Pour... Qu'est-ce que c'est ça? Fulguris, d'accord, ok, tant mieux. C'est quoi que, ouais, j'aurais mieux fait de caler un mégaphone maintenant. Mais c'est pas dramatique. Clairement, c'est pas dramatique. Bon, la pression qui change pas grand-chose, hein, ça se jouera pas au PP West, cette partie, à mon avis. L'ébullition qui est pour Elector. Ah, pas de brûlure, s'il te plaît. Oh, putain. Il suffisait que je le dise. Putain. Pas possible. Je préfère me faire brûler Noacier plutôt que Elector, parce que certes mon attaque est divisée par deux, mais Elector lui, son seul moyen de récupérer ses PV c'est atterrissage, et c'est beaucoup moins facile de récupérer des PV avec atterrissage plutôt qu'avec les restes et Vampigraine. J'ai un petit peu peur de provoque là, clairement, de la part de son Fulguris, donc je vais y aller pour, quoique, au final je fais pas grand chose avec Girobal, je fais pas grand chose avec Méga Fouet. Je préfère y aller avec Vampigraine sur... Oh, quoi que non. Je vais y aller avec Méga Fouet sur le Milobelus. Et je vais faire atterrissage avec mon Elector. C'est beaucoup moins risqué comme ça, c'est plutôt logique. Voilà, il fait provoque, ouais. J'aurais peut-être mieux être KO le Milobelus. Je suis pas sûr. Oh non, je pense pas. Je pense pas. Non, non. Non, je suis pas assez investi. Oh là, le laser glace. Alors ça, c'est parfait. Alors là, vous allez voir, laser glace n'est pas super efficace sur Elector. Pourquoi? Parce que je viens de faire atterrissage, tout simplement. Et le méga fouet qui finit. Ah ouais, d'accord. Ah, coup critique. Ah, je pense que j'en avais besoin du coup critique pour finir. Je suis pas certain, mais je pense que j'en avais besoin. Je pense. Ah, je pense que le coup critique là m'aide beaucoup. Je pense vraiment. Donc vous voyez, Elector hein, qui serait presque mort là. À l'heure actuelle, s'il n'avait pas fait atterrissage au final, en ayant fait atterrissage, eh bien, jusqu'à la fin du tour, Elector perd les affinités du type vol. C'est comme si vous n'aviez pas le type vol. Donc vous êtes sensible aux attaques sol, mais les attaques roche et glace ne sont plus super efficaces sur Elector, par exemple. Ok, donc après avoir fait provoque. Ouais, il envoie Mélodelphe, mais le truc c'est qu'une Girobal, il va mal la vivre, quoi. Ça va pas être terrible pour lui. D'ailleurs, j'ai Nymphali et Brazegali. Faut que je garde Noacier en vie. Je vais refaire atterrissage. Ok, ça fait cage éclair. Ah ouais, ça veut vraiment enrayer mon Noacier. C'est le Pokémon le plus gênant dans ma team pour lui. De très très loin. Hein. Donc cage éclair qui ne change pas les dégâts de Girobal. Hein. Si vous vous posez la question, ça ne change pas les dégâts de Girobal. Sabotage. Ah, c'est lui qui va prendre le casque brut, c'est dommage. Je sais pas s'il avait peur de la Bécitrus ou... Mais sabotage sur Mélodelph, c'est osé. What? J'ai le KO en un coup? J'ai le KO en un coup sur Mélodelph.
Je suis très surpris. Alors, je suis investi en attaque, mais au point de faire le KO en un coup, alors ça, j'aurais jamais imaginé. Malheureusement, Hector n'a plus le. N'a plus le. Le casque brut. Et du coup, pour punir Kangourex, ça va pas être le top. Du coup, le plus. Ouais, je pense qu'il va faire bluff sur Hector, c'est logique. Je vais faire abri avec Hector. C'est logique et évident. Vantardise. Ah oui, là, ça veut vraiment enrayer Noacier. Là, ça va très loin, là. Cache éclair Vantardise, d'accord, ok. Ah non, ça va. Direct Uppercut, d'accord. Donc, pas de bluff. Noacier qui n'attaque pas, évidemment. J'ai beaucoup de chance, vous le savez. Vous le savez, je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance dans ce jeu. Mon attaque est à plus 2. Hein. Donc là, le Kangourex, une gyrobale, c'est terminé. Hein. Est-ce que ça va refaire Provoque? Je ne suis pas certain. Je suis déjà. Il m'a déjà bien embêté, donc je suis pas certain. Je vais y aller plutôt pour. Parce que là, Brazegali termine les deux, mais il faut pouvoir les terminer un par un. Je vais faire tonnerre sur. Faire tonnerre sur Fulguris pour pouvoir le terminer avec une surchauffe. Ça refait provoque. Alors, à sa place, j'aurais pas fait ça. Ah, sur Elector, d'accord. D'accord. Et Elector est plus rapide que son Kangourex. D'accord, son Kangourex c'est lent. Alors, il a pas de Pokémon pour poser la disto, donc je comprends pas trop. Attrition! What? Mais ça joue des attaques tellement pas jouées! Et non, attrition dépend de mes PV max. Du coup, forcément, ça fait pas des dégâts exceptionnels. Ah! Noacie attaque! Formidable! Alors là, la Gyrobale à plus 2, à mon avis. Et ouais, ça termine. Hein. Coup critique. Bon, là, j'en ai pas besoin du coup critique. Hein, ça, j'en suis certain. Quoique, vu que son Kangourex est lent. Vu que son Kangourex est particulièrement lent. Peut-être. Ouais, quoique, non, je pense que. À plus 2, la Gyrobale, elle pardonne pas. Hein. Je pense que de toute manière, là. Il aurait pas pu y résister. Donc, je vais y aller pour Gyrobale sur Fulguris. Et je vais switch mon Elector. Non, je vais même pas. Oui, si. Je vais switch mon Elector pour. Pour Nymphali qui tient très bien les coups de Fulguris. Et là je vois pas comment je peux perdre, j'ai Brazegali derrière, une surpuissance suffit à terminer le Fulguris, donc ça devrait le faire. C'était pas évident, mais qu'est-ce que c'est que ces movesets? Ah, direct la confusion terminée. Enfin direct, non. Non, c'était pas le tour suivant. C'était pas le tour précédent, c'est le tour encore avant. Et là Girobal qui termine, même si c'est pas très efficace. Fulguris est bien plus rapide, donc Girobal c'est très puissant en plus. Je suis à plus 2 en attaque, donc je suis boosté. GG du Sway. J'ai pas compris le moveset. J'ai pas compris le moveset du Kangourex. Là, j'ai jamais vu un Kangourex comme ça. Et sabotage sur Melodelf, c'est peut-être un move physique. Melodelf, il y a peut-être une attaque nulle. Mais sabotage, c'est tellement utile que ça peut être très très intéressant. Sabotage sur Melodelf, c'est pas à mettre à la poubelle du tout. GG à toi du Sway. Et moi, je vous dis à vendredi pour le prochain combat contre un abonné avec la team Brazegali Elector. Salut tout le monde.